Exercice à Tirel, point de section VBCI au Liban. C'est en effet dans le cadre de leur mission au sein de la FINUL que ces militaires français ont organisé une manœuvre d'infanterie mécanisée. Donc à chaque fois que j'ai une phase de tir réel, j'entraîne mes soldats à qu'ils soient au plus proche de la réalité. Donc c'est pour ça que je leur fais d'abord une phase en véhicule, une phase de débarquer et une phase de tir. Donc ils comprennent bien comme ça qu'il y a toujours cet appui qui leur permet de progresser. C'est bien là la caractéristique de l'infanterie blindée, qui permet d'abord la mise en place d'un appui puissant grâce au canon de 25 mm du VBCI, puis une manœuvre embarquée sous blindage, et enfin une manœuvre à pied avec le débarquement de 7 fantassins. Donc la manœuvre la plus symbolique de l'infanterie blindée, c'est bien le débarquement sur position de l'ennemi. Donc la phase de débarquer est toujours une phase très délicate. C'est là où on est en danger, c'est là où mes fantassins ont moins de protection, donc c'est pour ça que c'est une phase qui doit être drillée. C'est une phase où on doit travailler, parce que c'est une phase très importante pour la suite du combat. Alors que le VBCI est toujours en mouvement, les fantassins doivent jaillir rapidement du blindé et ensuite se rallier autour du chef de groupe. Donc le débarqué assaut avec donc l'engin qui protège les personnels sur le flanc droit ou sur le flanc gauche, tout dépend où est l'action dangereuse. Et ensuite, nous déposer au plus près de l'action, pareil, ou en milieu urbain ou en milieu forêt, pour pouvoir nous après nous permettre de nous infiltrer, aller au plus près des combats. Arrive enfin le tir à balles réel, où chaque fantassin répète plusieurs phases de déploiement afin de neutraliser l'ennemi le plus efficacement possible. Donc mon tir réel, un assaut. Simple, dans un premier temps, base d'assaut, progression en appui mutuel. Une fois qu'on est sur appui mutuel, sur position, on va traiter l'ennemi et ensuite, on va fouiller. Ce type d'exercice permet ainsi aux militaires français de maintenir leur savoir-faire en matière d'infanterie blindée qui, équipée du VBCI, constitue aujourd'hui le fer de lance de la FCR, la Force Commander Réserve de la FINUL.